Monde. Très très heureux d'être là. Quelqu'un peut-il me dire ce qu'il se passe ici? Suis-je dans un délire, dans un rêve sans vie? Quelqu'un peut-il me dire ce qu'il se passe ici? Il doit y avoir une erreur. La vie a perdu ses couleurs, ses couleurs, ses couleurs, et j'ai peur. D'où vient cet étrange malheur? La vie a perdu ses couleurs. Suis-je dans un tableau sans nuance et sans teinte? Sans personne en écho pour répondre à ma plainte? Suis-je dans un tableau sans nuance et sans teinte? Il doit y avoir une erreur. La vie a perdu ses couleurs, ses couleurs, ses couleurs, et j'ai peur. D'où vient cet étrange malheur? La vie a perdu ses couleurs. Où est passé l'artiste qui peignait le décor? Que tout me semble triste, que tout me paraît mort. Où est passé l'artiste qui peignait le décor? Il doit y avoir une erreur. La vie a perdu ses couleurs, ses couleurs, ses couleurs, et j'ai peur. D'où vient cet étrange malheur? La vie a perdu ses couleurs. Il y a très 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 longtemps, les couleurs n'existaient pas. Le monde était gris, tout gris. Et ce qui n'était pas gris était noir. Les gens étaient tristes, mais tristes. Alors, un magicien, un très grand magicien, est descendu dans sa cave et il a mélangé différentes potions. Il a pris un peu de ceci, un peu de cela, il a malaxé un peu tout. Et il a obtenu une couleur, la première couleur. C'était le bleu. Oh, c'est merveilleux cette couleur. Il est sorti, il a peint sa maison en bleu. Il a peint le trottoir en bleu, les chiens en bleu, les chats en bleu. Il a tout peint en bleu. Les voisins l'ont regardé et ils ont dit « Mais c'est merveilleux cette couleur! Tu peux nous en donner un peu ?»« Bien sûr !» Et il leur a donné du bleu. Au bout de quelques jours, le monde entier était tout bleu. Le ciel, la mer, l'herbe, les maisons, les coqs, les poules, les chevaux, tout était bleu. Et ce qui avait paru merveilleux au début, eh bien, attristait beaucoup de monde. Tout ce bleu, les gens qui avaient été un petit peu émerveillés au début, ils devenaient tout tristes. Oh magicien, toi le grand magicien, est-ce que tu pourrais pas nous trouver une autre couleur ? Alors tristement, le magicien est descendu dans son laboratoire. Il a pris des potions, il a mélangé un peu de ceci avec un peu de cela, et il a obtenu une autre couleur, du rouge. Oh, un rouge éclatant. C'était magnifique. Il est sorti, il a commencé à peindre des fleurs en rouge, le toit en rouge, des barrières en rouge, mais aussi des petites filles en rouge, hein? Tout en rouge, des petites filles, des adultes, des grands-parents en rouge. Tout était rouge. Les animaux, ils étaient rouges. Et ses voisins aussi lui ont dit, tu peux nous en passer un peu? Et au bout de quelques temps, tout était rouge.
Avec ce rouge, les gens devenaient colériques. Ils rentraient dans des fureurs terribles. Ce rouge, on n'en peut plus. Les enfants commençaient à se battre. Les adultes à faire la guerre. Ah, le magicien, il y avait tout le monde qui lui en voulait. Très en colère, il est descendu dans son laboratoire. Il a pris un petit peu de potion, un petit peu. Il a mélangé. Et il a obtenu du jaune. Oh, c'était fantastique, cette couleur jaune. Quand il est ressorti, il l'a montré aux gens. Les gens étaient vraiment émerveillés. Et ils ont commencé à tout peindre en jaune. Le soleil, bien sûr. Mais aussi les animaux, les chiens, les chats. Les chemins, les maisons, les arbres, tout était jaune. Au bout de quelques jours, tout était jaune, les gens sortaient et oh, oh, ils se cognaient partout. Et puis ce jaune étincelant, ça faisait mal aux yeux, très très mal aux yeux. On n'en peut plus de ce jaune, on n'en peut plus. Le magicien avait très 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 mal à la tête. Ah, alors il est redescendu dans son laboratoire. Et il a mélangé un peu de ceci avec un peu de cela, mais il n'arrivait pas à obtenir la couleur qu'il voulait. Et puis, les potions se sont mises à déborder des vases. Et tout s'est mélangé. Le rouge s'est mélangé avec le jaune. Ça donnait de... Le rouge avec le jaune. De l'orange, et puis du jaune avec du bleu, les enfants, du vert, et toutes les couleurs. Mais quand toutes les couleurs se sont mélangées, il a obtenu du rouge avec du bleu, du violet, et puis au bout de quelques instants, il a dit, mais c'est magnifique. Alors là, il est sorti avec des petits pots. Et donc chaque petit pot, il y avait des couleurs différentes. Et il a dit aux gens, vous pouvez en prendre un petit peu de peinture, mais utilisez chaque peinture. Parce qu'on a besoin de chaque peinture pour faire le monde tel que vous le voyez aujourd'hui et qui est magnifique au niveau des couleurs. Bleu, comme les rideaux du ciel. Bleu, les océans de tes grands yeux. Bleu, les océans de tes grands yeux. Rouge, comme la langue de ton cœur. Rouge, les coquelicots de tes lèvres. Rouge, les coquelicots de tes lèvres. C'est l'arc-en-ciel de ta vie, Lila. C'est l'arc-en-ciel de tes joies. C'est l'arc-en-ciel de ta vie, Lila. C'est l'arc-en-ciel de tes joies. Orange, cette vie amère ou sucrée, orange. Ta belle robe clémentine, orange. Ta belle robe clémentine. Violet, la nostalgie de ton enfance, violet. Les jolies grappes de raisin, violet. Les jolies grappes de raisin. C'est l'arc-en-ciel de ta vie, Lila. C'est l'arc-en-ciel de tes joies. C'est l'arc-en-ciel de ta vie, Lila. C'est l'arc-en-ciel de tes joies. Jaune, la bonne étoile qui te guide, jaune, comme un bouton d'or dans la nuit, jaune, comme un bouton d'or dans la nuit. Vert, la salade de mots d'espoir, vert, les sapins de tes plus grands rêves, vert, les sapins de tes plus grands rêves.
C'est l'arc-en-ciel de ta vie, Lila. C'est l'arc-en-ciel de tes joies. Quand l'indigo mélancolie parfois sur son îlot tout seul s'en va. C'est l'arc-en-ciel de ta vie, Lila. C'est l'arc-en-ciel de tes joies. Quand l'indigo mélancolie parfois sur son îlot tout seul s'en va. Alors, dans un de mes spectacles que je fais sur la Reine des Neiges d'Andersen, le premier chapitre, on parle d'un personnage que vous connaissez tous, un personnage effrayant, le pire des personnages qu'on puisse rencontrer puisqu'il s'agit du diable. Et le diable, ce jour-là, il a inventé une terrible chose. Il a inventé un miroir. Un miroir, mais pas n'importe quel miroir. Un miroir, quand on se regarde à l'intérieur, tout est déformé. Les plus belles personnes, elles deviennent affreuses. Il suffit qu'on ait un petit bouton sur le visage pour qu'aussitôt, quand on se regarde dans le miroir, on ait l'impression qu'on est plein de boutons, qu'on a plein de boutons. Et puis, il suffit qu'on boitille un peu pour être un estropié. Et alors, les petits sorciers ricanent, ils sont là. Oh, mais c'est merveilleux. Le diable, le diable. Merci. C'est le diable qui m'a fait. C'est du direct.